Le crotal diamantin de l'Ouest, ou crotal du Texas, goûte l'air du bout de la langue. Des glandes situées sur son palais lui permettent d'identifier ce qui l'entoure et de faire le tri entre proies et menaces potentielles. Une célébrité se réveille la faim au ventre. Le grand géocoucou a inspiré le célèbre bip-bip du dessin animé. C'est un dur à cuire. C'est essentiel quand on convoite un déjeuner qui peut vous tuer. Le crotal diamantin est imposant. Cette femelle n'est pas une proie ordinaire et son venin, mortel pour l'homme, est une arme redoutable. Mais face à cet adversaire, une chose lui fait défaut. Des pattes. Le géocoucou, lui, en a deux très puissantes. Et il s'en sert à merveille. Les tribus indiennes locales vénéraient l'animal pour sa vélocité, sa robustesse et, par-dessus tout, son courage. Le volatile se rapproche sournoisement de sa proie. Mais le reptile n'a pas l'intention de se laisser faire. Le but est simple, le prendre à revers pour lui écraser le crâne à coups de patte. Cette fois, l'affrontement ne verra ni vainqueur, ni vaincu.